Je pars en Laponie. Naya me demande si c'est le pays des lapins. Oui, je pars en Laponie. J'embarque le temps pour moi dans mes poches. Je pars au pays des merveilles. Un son de cloche, un souvenir lointain. C'est ma terre promise, mon Excalibur, mes racines, mon chez-moi. Je reviens. La magie me reviendra. Je retrouve mon ADN, mon jardin d'Éden et tout ce qui me connecte au mien. Dans l'avion au-dessus des nuages, une autre dimension, un œil extérieur au-dessus du dessin. Je me rends compte de la multidimensionnalité de nos vies, souvent cachées par l'épaisse brume cotonneuse. En haut comme en bas, à gauche comme à droite, au milieu comme autour. Il me suffit juste d'avoir foi. Le pilote, l'avion, les ailes et le ciel. Je sais pas ce qui m'attend, je suis excitée comme lors de mon premier grand voyage. Une émotion qui depuis m'avait quittée. Je sens comme un fil invisible qui me relie à quelque chose dont j'ignore la portée, qui n'a ni commencement ni âge, mais bien au-dessus des nuages. Observant mes pensées qui s'emballent, je me connais et je me calme. Ce n'est que le bon moment, c'est maintenant, je suis prête. La lune bleue de sang comme témoin. La lune bleue de sang comme témoin dans l'œil bleu. Je pose mes pieds à terre et déjà je m'enivre. Je respire à plein poumon le nectar glacé. Je reconnais les fragrances de l'esprit qui me grisent. Je reviendrai.